Bon matin! C'est le début d'un nouveau vlog! Donc, bon matin! Me concentrer puis vous reviens. Donc, bon matin! On est dimanche, mon amour? Ouais! On est dimanche le 27 juin. Donc, les 4 journées de congé, ça achève. Là, on vient tout juste de se lever du lit, mais ça fait un bout de temps qu'on est debout. Ben, pas debout, on est couché, on est réveillé. Fait que je suis encore en pyjama, jogging, confo. Mais je me fais super habillée. Voyons, je suis bien essoufflée. Fait que bon, je recommence. Donc là, on s'apprête à déjeuner et se faire des bons cafés. Puis ensuite, on va faire le plan de match pour la journée. Hier, comme on vous avait dit dans le dernier vlog, on est allé chez Johnny Senior. Donc, on est allé chez ma mère pour ma fête. Donc, on a passé la journée pas mal là-bas. Il y avait mon frère qui avait amené son chien, qui est un berger allemand de 7 mois. On l'a déjà vu une fois dans mes vlogs, dans les vlogs. Là, il avait full grandi. Mais il était trop mignon, je l'aime assez. Fait que j'étais bien contente de les voir. Et on a grignoté, on a soupé ensemble. J'ai eu des petits cadeaux que je vais vous montrer tantôt. 2 cadeaux que j'ai eu. Je vais vous montrer ça. Et puis là, ben c'est ça, on va déjeuner, faire les cafés, puis on va se reparler tantôt. Le plan de match, aujourd'hui, on a des tâches à accomplir, comme la routine recommence demain. Et cette semaine, c'est enfin demain, ils viennent en arracher, couper, ils partent avec notre réservoir d'huile de mazout. Et mardi, ben, ils viennent enlever notre fournaise et installer le nouveau système de climatisation au chauffage. Donc, grosse semaine cette semaine. Fait que moi, demain, ben, je vais être à la maison pour les accueillir en travaillant. Mardi, boyfriend a pas eu le choix de prendre congé pour ça. Puis sinon, ben, jeudi, moi, j'ai congé. Puis vendredi, boyfriend a congé pour la fête du Canada. Fait que c'est plate vu que nos congés ne sont pas alignés, mais moi, c'est la fin de mois, fait que je prévois que ça va être très occupé comme semaine. Fait que là, je vous laisse, on déjeune, on se fait des cafés et on se reparle après. On n'a pas vlogué hier, donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous vlogger ça parce que je m'ennuyais déjà de vous. Salut! Fait qu'un matin, c'est le gros calice de party. On vient de se faire des petits cafés. Puis il y a un nouveau vlog de Mylène. Fait que... on va écouter ça en déjeuner. Donc, on s'est fait nos cafés. Boyfriend est en train de se faire des toasts, son grand classique depuis qu'il a un an, j'imagine. Hein? Là, aujourd'hui, il est funky. Il met du caramel salé sur ses toasts au bord de peanut. Pour faire le changement de la semaine, ça, mon amour. Ouais. Fait que, pis moi, j'ai décidé de faire une recette et ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas fait. Dans le fond, c'est comme un petit genre de gâteau muffin vite fait au micro-ondes déjeuner. Puis c'est fait avec de la poudre de protéines, du cacao, de la poudre à pâte, un œuf, de la compote de pommes. Puis là-dessus, je vais mettre des fraises, puis des super grains là, comme du chia, puis un petit peu de beurre de peanut. Puis ça va être mon déjeuner parce que je sais jamais quoi déjeuner. Puis en tout cas, j'ai besoin à me trouver des bons déjeuners. Pis là, on dirait que le pain, le fromage, pis tout ça, je suis comme écœurée. Fait que là, je savais plus quoi déjeuner. Fait que là, je me suis rappelée de cette recette-là. Fait que je vais faire ça. Pis là, on écoute la belle Mylène pendant ce temps. Est-ce que t'as envie qu'on fasse genre un vlog, genre style to-do list, genre qu'on fait toutes les étapes de qu'est-ce qu'on a à faire, genre? Étape 1, on fait ça. Étape 2, pour se motiver, pis ça fait un petit peu changement. Fait que là, c'est étape 1! Déjeuner! Fait que là, après déjeuner, on va se faire notre liste, puis on va tout clencher. Ouais. Puis peut-être si on est fait, on va avoir une traite. Moi, c'est sûr, je m'en vais dans le studio aujourd'hui. Mais on mettra ça dans la liste. Puis, comme.
Donc finalement, mon petit gâteau, j'ai fait une erreur dans la recette, ça a pas marché. Fait que là, il aurait fallu que je recommence, puis ça me tentait vraiment pas. Fait que je me suis juste fait un petit shake avec de la poudre à la vanille, des petites fraises, un petit peu de banane. Ça va être ben en masse pour ce matin. Puis là, après ça, on va s'activer. Donc, on s'active. Il est rendu 9h30, déjeuner fini. J'ai été m'habiller. Je me suis mis un petit short de jogging, une petite camisole parce qu'aujourd'hui, c'est humide. Et là, boyfriend qui était plein d'énergie et plein de bonnes intentions tantôt a péri. Là, moi, je suis ready pour faire les tâches. Fait qu'on a plusieurs tâches et trucs à accomplir. Fait que là, on s'est fait une petite liste. Puis là, on va clencher ça. Mais avant, je vais vous montrer mes cadeaux que je vous avais dit que je vous montrerai. Donc, cadeau numéro 1, c'est un matelas de gymnastique qui appelle, qui se plie en 3. Fait que tu peux le déplier. Ça, c'est... moi, je le prends pas pour faire de la gymnastique, là, mais pour faire des étirements puis de l'entraînement. Fait que ça fait longtemps que j'en voulais un. Puis là, je veux recommencer à m'entraîner un petit peu. Fait que j'avais demandé ça. Et puis, deuxième cadeau, dans le même ordre d'idée, j'avais des kettlebells puis des dumbbells, mais ils étaient tous de 15 livres. Puis là, je voulais en avoir des plus petits parce qu'il y a certains exercices que j'aime mieux faire avec des plus petits poids. Fait que ma maman m'a acheté un petit kit d'halter qui, je pense, vient du Costco. Donc, c'est ça pour les deux cadeaux que j'ai eus. Je suis bien contente. Fait qu'on va probablement, pour le moment, installer ça en bas. Donc! Tâche là, numéro 1! Il faut qu'on le dise en même temps. 1, 2, 3, go! Tâche numéro 1! Donc, il faut arranger toutes les fils pour les cacher dans le bureau. Faire un petit clean-up, puis replacer le tapis comme il faut. Fait que ça, c'est un bureau IKEA. C'est vraiment bien. On peut tout cacher les fils dedans. C'est bien, Robin? C'est merveilleux! Donc voilà, étape 1 fait. Ici, c'est pas encore peinturé ni décoré. Ça va venir dans un futur vlog. Tâche 2! Mesurer combien de rouleaux on a besoin pour DIY notre établi. Ça, par ça. Ça fait combien? Ça fait... 185 ça. Bon, mais dans le fond, on avait déjà tout calculé avant de filmer qu'on allait faire ça, mais on avait oublié de le filmer. Fait qu'on est venu à la conclusion que ça nous prenait un rouleau. Juste ça. Fait qu'on va le commander. Fait qu'on va le commander. C'est ça. Tâche 3! 3 puis 4. C'est rare qu'on vous amène ici. L'éclairage est pas très bon. On est dans le ventre de la maison. Communément appelée la salle de lavage. Fait que là, étape 3, c'est le lavage. Et puis, du même coup, nous allons faire l'étape 4, qui est... Ah, j'aime pas ça venir ici. J'ai peur. Vas-y en premier. Ça détourne le bruit. C'est la salle des machines. Fait que comme ils viennent enlever tout ça et remettre cette semaine, on a un petit peu de storage ici. Fait qu'il va tout falloir vider. Fait que ça, c'est l'étape 4. Fait qu'on fait ça. Tu fais n'importe quoi. Quoi? Puis tu fais n'importe quoi. Toi, tu fais n'importe quoi. Faut le placer dans le cuve. Là, faut pas juste le garocher dedans. Ben, je le garoche pas. Ok, j'avoue que j'ai fait n'importe quoi. J'avoue que j'ai fait n'importe quoi alors. Calé, c'était quoi? Donc, étape 3 et 4, fait. C'est étape ou tâche? Tâche 3, 4. Mon amour, tâche 5. C'est quoi la tâche 5? C'est la litière à Mademoiselle Taquine. Puis je pense que cette tâche-là va remplacer la tondeuse parce qu'il y a de l'air de faire humide en tabarnak dehors. Tâche terminée. All the shit is in the bag. Ça, c'est comme à moitié fait.
C'est à moitié fait, fait qu'elle barre à moitié, t'as comprends-tu? Donc, il est rendu 11h25, on a pas mal terminé nos tâches qu'on voulait faire, il en reste une. Mais on doit, dans le fond, c'est, on a des boîtes de stock à aller donner, fait qu'on doit quitter la maison. Mais là, on a commencé à avoir un petit creux, fait qu'on va dîner avant de partir. Moi, j'aime faire une salade César au poulet, puis bon, je vais mettre une sandwich au poulet. Fait que là, on va faire ça. Fait que dans ma salade César, je vais mettre de la salade, échalote, du poivron rouge, du petit fromage, du poulet, cocon, puis je vais peut-être mettre aussi des tomates. Donc, je vais faire ça. Donc, il est rendu midi et demi. On a terminé de dîner. C'était délicieux. On a fait la vaisselle. Pas mal ça. Ouais. Puis là, c'est la mission d'aller porter les boîtes de stock à donner. C'est la dernière chose qui était sur la liste aujourd'hui dans les tâches. Fait que là, on s'en va faire ça. Donc, la dernière tâche, c'est fait. On vient de dropper ça dans une boîte de dons. T'es la chose la plus cute du monde, toi. Tu vas aller voir. Tu vas aller voir ton papa? Allez, vas-y. Donc, il est rendu 3h40. J'ai relaxé un petit peu en écoutant des vlogs, en buvant du bubbly, en répondant aux commentaires des dernières vidéos. Ça faisait un petit moment que j'avais pas été répondre aux commentaires. Là, j'ai des nouveaux boutons qui me poussent sur le menton. Vive le masque! J'espère que bientôt, on n'aura plus à vivre avec ce masque car ça m'a magané le menton pas mal. Donc là, je vais préparer un petit peu de nourriture. Je vais faire des petits œufs à coque. Puis je vais aussi faire cuire du quinoa d'avance. Puis je vais faire griller du maïs. Préparer deux, trois petites choses pour la semaine. Fait que je vais vous montrer là, qu'est-ce que je vais avoir préparé. Donc voilà, mon quinoa, du maïs grillé et des petits œufs à la coque. Fait que ça va être tout pour la préparation. Dans le sens, j'ai encore du poulet, poulet cuit là, pour faire des salades ou autre. J'ai des fraises, j'ai plein de légumes, du tofu. Fait que ça va être parfait pour les repas de cette semaine. Fait qu'une bonne chose de faite, ça aura été une journée très productive. Bon, fait que là, il est 5h et je sais pas trop combien. On vient de finir de souper. On a mangé un petit restant qu'on avait, qu'on a fait réchauffer. Un petit restant de pâtes qu'on avait fait avec des petits pois. Et comme il en restait vraiment pas beaucoup, ben là on s'est pris du dessert. Fait que je me suis fait un petit bol avec du sorbet, ananas, noix de coco et un petit peu de crème glacée à vanille. Puis ben lui il mangeait même le pot de crème glacée. Bon, donc il est rendu, il est quelle heure environ? 6h21. Il est rendu 6h21, on est toujours le dimanche soir bien sûr. On veut fermer le vlog avant de vous oublier. Donc j'espère que vous avez aimé nous suivre dans notre dimanche productif pour bien commencer la semaine. Donc c'est tout. On n'a rien d'autre à dire. Fait que on vous donne un gros bisou. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime puis de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Ciao! C'est-tu bye, mon amour? Bye! Ok. She's so cute.